Bonjour et bienvenue à ce nouvel oratoire dominical. Je suis le frère Jérémy, novice à l'oratoire d'hier. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours sur les prophètes et c'est sans suspense que j'ai la joie de vous présenter le prophète Jérémie. Jérémie est une figure attachante du prophétisme biblique, probablement parce qu'il est le prophète dont on connaît le mieux la vie. Jérémie est un homme sensible et délicat, et on dit également de lui qu'il est le prophète de l'intériorité du dialogue avec Dieu. Alors découvrons ensemble ce prophète. Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle du Seigneur, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Le prénom Jérémie signifie deux choses. Dieu est élevé, mais aussi Dieu élève. Autrement dit, Dieu élève Jérémie et son peuple. Jérémie est né dans une famille sacerdotale installée à Anatot. Vous pouvez voir sur la carte que je voulais placer au-dessus de Jérusalem. C'est un petit village en territoire Benjamin, situé à 6 km au nord-est de Jérusalem. Et la tribu de Benjamin se considérait comme liée à l'Israël du Nord. C'est pourquoi on retrouve chez Jérémie l'influence du prophète Osée et de la théologie de l'Exode. On ne connaît pas exactement la date de naissance de Jérémie. Le récit nous dit qu'il reçoit sa vocation prophétique la 13e année du règne de Josias, roi de Juda, c'est-à-dire en 627 avant Jésus-Christ. Le récit de mission nous confirme que Jérémie n'était qu'un jeune homme lorsqu'il entendit l'appel de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons situer sa date de naissance entre 650 et 645 avant Jésus-Christ. Il exerce sa mission jusque la 11e année du roi Sédécias, c'est-à-dire en 587. Et nous avons également des oracles postérieurs qui sont prononcés en Égypte. Né à une époque particulièrement troublée, établi prophète pour les nations, Jérémie est contraint de prendre position face aux événements. Et sa parole ne peut être détachée du contexte politique qui est celui du royaume de Juda dans les années qui précèdent la chute de Jérusalem en 587. Rappelons que le royaume de Juda est sous domination assyrienne depuis 704. Profitant de l'affaiblissement de la Syrie, le roi Josias entreprit en 622 la restauration politique et religieuse du royaume de Juda et favorisa la réforme fondée sur le rouleau de la Torah découvert dans le temple. Mais en 609, son œuvre fut brutalement interrompue par sa mort à Megiddo, et le royaume de Juda passa alors sous la domination de l'Égypte. En 605, l'Égypte est vaincue lors d'une bataille par Nabuchodonosor. Le royaume de Juda passe alors sous la domination de Babylone. Nommé par Nabuchodonosor, le roi Joachim, un homme violent et cruel, se révolta et entraîna le royaume de Juda dans une aventure qui finit par la prise de Jérusalem en 597. Elle est suivie d'une première déportation qui frappa surtout la cour et l'élite de la nation. Le prophète Ézéchiel faisait partie des personnes déportées. Le roi Sédécias est ensuite établi par Nabuchodonosor. Il est le dernier roi de Juda. C'est un être sans caractère qui chercha à son tour à se rendre indépendant sous la pression du parti nationaliste. En 587, Jérusalem est occupée par les troupes babyloniennes, Sédécias est châtié, les remparts sont abattus, le temple est incendié et une autre partie du peuple est emmenée en captivité. Nabuchodonosor établit alors un gouverneur, Godolias, qui fut assassiné par des patriotes vers 582. Par crainte des représailles, un certain nombre de Judéens s'enfuirent en Égypte, entraînant alors Jérémie. Jérémie annonce l'invasion de l'Égypte par Nabuchodonosor, événement qui se produira vers 568. C'est probablement en Égypte que Jérémie mourut. Le chapitre 36 nous raconte qu'après 20 ans de prédication orale dans Jérusalem, Dieu a ordonné à Jérémie de rassembler tous ses sermons, poèmes et essais pour les mettre par écrit. Jérémie s'est exécuté en s'offrant les services d'un scribe nommé Baruch, qui a transcrit et compilé tous ses messages dans un parchemin.
Baruch a également recueilli plusieurs histoires liées à la vie de Jérémie et a relié le tout pour offrir un meilleur contexte d'ensemble. Le tout était organisé pour présenter ce prophète comme un messager de la justice et de la grâce divine. L'ordre des chapitres ne reflète pas l'histoire d'une manière chronologique. Il s'agit surtout d'une relecture théologique, littéraire et historique des événements. La première grande section, qui va des chapitres 1 à 24, est un recueil des écrits de Jérémie datant de la période d'avant l'exil, dont l'idée principale est qu'Israël a rompu l'alliance avec Dieu et violé tous les termes de l'accord consigné dans la Torah. Ils se sont compromis en adorant toutes sortes de divinités cananéennes et en bâtissant des sanctuaires à des idoles à travers le pays. Ce qui a conduit Jérémie à assimiler l'idolâtrie à l'adultère, à l'infidélité et à la prostitution. Jérémie d'ailleurs accuse à plusieurs reprises les dirigeants d'Israël, les prêtres, les rois et autres prophètes, de s'être tous corrompus. Ils ont complètement mis de côté la Torah et l'Alliance, ce qui a eu pour tragique conséquence le développement d'une injustice sociale. Les personnes les plus vulnérables au sein de la communauté, notamment les veuves, les orphelins et les immigrés, se faisaient tous exploiter, ce qui constituait une flagrante violation des lois de la Torah. Tous ces éléments sont par la suite relevés à une étape clé qu'on retrouve au chapitre 7 et qui s'intitule le sermon de Jérémie dans le temple. Les Israélites continuent de venir adorer leur Dieu dans le temple comme si de rien n'était, alors qu'à l'extérieur du temple, ils pratiquent leur adoration à d'autres dieux. Jérémie se lance donc dans sa très impopulaire déclaration. Le Dieu d'Israël abattra son jugement sur vous. Il détruira son propre temple et punira Israël en se servant d'un ennemi du nord, disposant d'une armée à laquelle Dieu permettra de conquérir Jérusalem. Et c'est en poursuivant la lecture qu'on découvre qu'il fait référence au grand empire de Babylone, ce qui mène à la transition du chapitre 25. Pendant la première année du nouveau roi de Babylone, Nabuchodonosor, alors qu'Israël ne s'est toujours pas réconcilié avec son Dieu, Dieu ordonne à Jérémie d'annoncer que les armées babyloniennes sont en train de foncer sur Israël pour conquérir leur territoire et les envoyer en exil pendant 70 ans. Il compare Babylone à une coupe de vin remplie à ras-bord de la sainte colère de Dieu face à l'injustice et à l'idolâtrie d'Israël. Coupe dont Dieu fera voir le contenu à la fois à Israël et aux nations. Ce chapitre est déterminant pour la conception du livre, car tout ce qui suit se portera essentiellement sur les attaques à venir de Babylone, d'abord contre Israël, dans les chapitres 26 à 45, puis contre les autres nations, au chapitre 46 à 51. Dans les chapitres 26 à 45, la section sur Israël liste d'abord des récits montrant à quel point Jérémie a supplié Israël de revenir de ses mauvaises voies, et comment il les a avertis jusqu'au dernier moment. Mais les dirigeants d'Israël l'ont méprisé et n'ont pas tenu compte de ses avertissements. Cette section s'achève par les chapitres 36 à 45 sur un vaste recueil d'histoires sur le siège de Jérusalem suivi de sa destruction par Babylone, et également des diverses persécutions dont Jérémie a été victime durant toute cette période avant d'être finalement enlevé et emmené de force en Égypte par un groupe de rebelles israélites. Alors qu'on est en plein milieu de toutes ces scènes de tristesse, de désastre et de jugement, on note dans les chapitres 30 à 33 une série de messages d'espoir concernant l'avenir d'Israël, tous rédigés par Jérémie. Il reprend ainsi la prédiction de Moïse. Même si Israël a rompu l'alliance et a été envoyé en exil, Dieu n'abandonne pas son peuple. Bien au contraire, il renouvellera son alliance avec eux et transformera leur cœur. Ainsi ces chapitres montre que Dieu ne permet pas au péché de conclure l'histoire de son peuple. Bien au contraire, c'est par sa propre fidélité qu'il fera en sorte d'accomplir ses promesses, quoi qu'il advienne. Ensuite, dans les chapitres 46 à 51, on découvre le grand recueil de poèmes relatant la manière dont Dieu se servira de Babylone pour juger les nations environnantes d'Israël. Mais étonnamment, les poèmes les plus longs sont gardés pour la fin. Il parle du jugement de Dieu qui s'abattra sur Babylone elle-même. Ce qui montre que même si Dieu se servit de cette nation pour exécuter sa justice, il ne cautionne pas leur violence et leur idolâtrie. Babylone est devenue l'archétype des nations rebelles. En se servant de leur tendance à se glorifier de leur richesse et de leur puissance militaire, Dieu suscitera l'autodestruction de cette nation.
Le livre s'achève sur une série d'histoires tirées de la fin du livre de 2 rois 25 qui décrit l'attaque finale de Babylone contre Jérusalem, comment ils ont détruit les remparts de la ville, brûlé le temple et envoyé le peuple en exil. L'histoire montre comment les avertissements de Jérémie mentionnés au chapitre 1 à 24 sur le jugement à venir se sont réalisés. Mais ensuite, le chapitre se conclut sur une brève histoire concernant le roi israélite en captivité, Joachim, l'héritier de la lignée de David. Le roi de Babylone le libère de prison, se montre très aimable avec lui et l'invite à manger à la table royale pour le restant de sa vie. Et c'est ainsi que le livre s'achève. C'est donc cette infime lueur d'espoir qui fait écho aux promesses d'espoir de Jérémie des chapitres 30 à 33. Car Dieu n'a pas abandonné son peuple ni la promesse de l'avènement d'un futur roi de la lignée de David. Bien que ce livre regorge d'avertissements et de jugements, ces derniers mots résonnent comme une note d'espoir en l'avenir. Je vous invite maintenant à plonger dans la Bible à travers cinq textes majeurs du livre de Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, « Ah Seigneur, mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » La parole du Seigneur me fut adressée. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je dis, « C'est une branche d'amandier que je vois. » Le Seigneur me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Une deuxième fois, la parole du Seigneur me fut adressée. « Que vois-tu ? » Je dis, « C'est un chaudron bouillonnant que je vois. Il s'ouvre depuis le nord. » Le Seigneur me dit, « Du nord va déferler le malheur sur tous les habitants du pays. Voici, je convoque tous les clans du royaume du nord, oracle du Seigneur. Ils arrivent et chacun placera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem contre tous les remparts qui l'entourent et contre toutes les villes de Juda. Je vais prononcer sur eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné, ils ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux et se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. » Le livre de Jérémie s'ouvre sur Dieu, qui appelle Jérémie à être son prophète. La parole de Dieu me fut adressée. Ces premiers mots nous livrent la théologie de la parole de Dieu. En effet, Jérémie est le prophète dont la vie est nourrie de cette parole. Dans ce dialogue, Dieu révèle à Jérémie qu'il a été consacré prophète avant même d'avoir été conçu dans le sein de sa mère. Dieu lui donne une mission à deux volets. Il sera prophète pour Israël et pour les nations. Ses paroles devront d'une part arracher et abattre, mais aussi construire et planter. En d'autres termes, il devra accuser Israël, puis les avertir du jugement de Dieu à venir, tout en gardant un message d'espoir pour l'avenir. Il faudra en effet construire de nouveau, mais cette fois-ci selon le projet de Dieu. Jérémie refuse, car il se sent incapable d'accomplir cette mission. Il se sent trop jeune. Mais Dieu écarte cette objection et confirme son envoi en mission avec la promesse suivante : « Je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie reçoit ensuite deux visions. La première, une branche d'amandier. Amandier signifie en hébreu « veilleur ».
L'amandier est l'arbre qui fleurit en premier pour annoncer la venue du printemps. Cette vision a donc pour but de nous dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ensuite, Jérémie, dans une deuxième vision, voit une marmite qui bouillonne et qui annonce le jugement de Dieu à venir sur son peuple. Le malheur va en effet venir du nord sur le peuple d'Israël à cause de l'idolâtrie. Finalement, ces visions ont pour objectif d'interpeller le prophète qui est appelé à discerner ce qui se joue dans les événements. À la fin de ce passage, Dieu rappelle à Jérémie que face à la mission qu'il lui confie, il doit tenir bon malgré les épreuves annoncées. Et Dieu renouvelle sa promesse en lui disant « Je suis avec toi pour te délivrer ». Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là tu proclameras cette parole. Tu diras « Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges en disant « temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Allez donc à Silo, ce lieu qui était le mien, où j'avais fait autrefois demeurer mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Or maintenant, oracle du Seigneur, puisque vous avez commis tous ces actes, inlassablement je vous ai parlé sans que vous écoutiez, je vous ai appelé sans que vous répondiez. Ce que j'ai fait de Silo, je le ferai de cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et dans laquelle vous mettez votre confiance, ce lieu que je vous ai donné à vous et à vos pères. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Éphraïm. Nous nous trouvons en 608 sous le règne de Joachim. Sur l'ordre de Dieu, Jérémie se rend au temple et proclame la parole de Dieu. Le temple, sanctifié par la présence de Dieu, pouvait apparaître comme inviolable. Et Jérémie va scandaliser le peuple en affirmant à la suite du prophète Michée qu'une telle confiance est illusoire. Dieu peut déserter son temple. À quoi sert d'aller dans le temple qui porte le nom de Dieu si c'est pour ne pas accomplir la volonté divine telle qu'exprimée dans le Décalogue ? Jérémie lance alors un appel à la conversion. Changez vos cœurs, changez de vie et adoptez une attitude intérieure et extérieure cohérente. Son discours dénonce ensuite l'idolâtrie et l'injustice, au point d'avoir fait du temple un repère de brigands. Pour donner du poids à sa parole, Jérémie annonce que s'il n'y a pas de conversion, le sanctuaire sera détruit. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier, il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier, oracle du Seigneur ? Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parfois je parle d'arracher, de renverser, de détruire une nation ou un royaume. Mais cette nation contre laquelle j'ai parlé se détourne du mal,
alors je renonce au mal que j'avais projeté de lui faire. Parfois je parle de bâtir et de planter une nation ou un royaume, mais ils font ce qui est mal à mes yeux, et ils n'écoutent pas ma voix. Alors je renonce au bien que j'avais décidé de leur faire. Maintenant parle donc aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Voici que moi, comme un potier, je façonne contre vous un malheur. Je médite contre vous un projet. Revenez chacun de votre mauvais chemin. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Mais ils disent, rien à faire. Nous suivrons nos propres projets. Nous agirons selon, chacun selon les penchants mauvais de son cœur endurci. Jérémie utilise plusieurs formes littéraires pour ses prédications. Ici, il s'agit des actions symboliques et visions qui donnent lieu à une parole située. Un lien est établi entre le geste significatif et la réalité dont il est le signe. Nous nous situons donc avant l'arrivée du malheur, c'est-à-dire avant 598. Lorsque Jérémie va chez le potier, il se contente de méditer sur l'habileté avec laquelle le potier reprend l'argile sur le tour lorsque le vase ne lui convient pas. C'est le point de départ d'une réflexion sur la liberté de Dieu à l'égard de son peuple. Le prophète reçoit ensuite l'ordre de parler aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Au nom de Dieu, Jérémie s'en prend à ceux qui refusent d'entendre la parole et de se convertir, mais également à ceux qui doutent que Dieu puisse réaliser ce que le prophète annonce, à savoir le malheur. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. J'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, le jour où ma mère m'a enfanté, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui annonça à mon père cette nouvelle qui le combla de joie. Il t'est né un fils, un garçon. Cet homme deviendra pareil aux villes que le Seigneur a renversées sans pitié. Il entendra la clameur au matin et le cri de guerre en plein midi. Maudit soit le jour qui ne m'a pas fait mourir dès le ventre. Ma mère serait devenue mon tombeau et son ventre me porterait toujours. Pourquoi donc je suis sorti du ventre? Pour voir peine et tourment, et mes jours s'achever dans la honte? Il existe cinq confessions dans le livre de Jérémie. De forme poétique, elles s'apparentent aux psaumes et permettent de découvrir la vigueur avec laquelle le prophète s'exprime devant Dieu. Les confessions sont prononcées sous le règne de Joachim, qui est une période noire pour Jérémie, puisqu'il reçoit l'hostilité du roi, des prêtres, des prophètes et du peuple, et contente de l'assassiner. Dans cette dernière confession, Jérémie accuse Dieu d'avoir voulu profiter de sa jeunesse et de son inexpérience. En un mot, de l'avoir séduit comme on séduit une jeune fille, en lui faisant des promesses qui se sont révélées trompeuses. Le langage utilisé place la violence du côté de Dieu, mais se veut aussi être celui de l'amour déçu. Au moment de son appel, Jérémie ne se doutait pas des conséquences que la mission acceptée pouvait avoir dans sa vie. Avec le temps, le prophète est devenu un objet de raillerie pour tous, et tous les jours, à cause de la parole de Dieu qu'il porte,
et qui implique de dénoncer le péché du peuple. Faisant retour sur son action passée, Jérémie en dresse un bilan négatif. Il souffre du fait que la parole n'est pas accueillie. Dès lors, il veut échapper à la mission divine, mais la volonté de Dieu s'empare de lui comme un feu dévorant. Au cœur de ce désespoir, de cette angoisse intérieure, Jérémie garde la certitude que Dieu est le Dieu de la grâce et pousse un cri d'espérance. On assiste à un véritable combat intérieur entre Jérémie et Dieu. On peut même dire qu'il vit sa passion au sens de pâtir. On peut être surpris de la détresse intérieure de Jérémie qui maudit le jour de sa naissance en constatant l'échec de sa mission et qui considère que la mort lui aurait été préférable. Aucune réponse de Dieu ne vient restaurer la confiance du prophète alors qu'il ploie sous la charge que Dieu lui a confiée. La seule réponse que Dieu accordera à Jérémie à travers un long apprentissage est celle donnée plus tard à saint Paul : « Ma grâce te suffit ». Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Ce passage se trouve au cœur du livret de la Consolation, car il est le sommet spirituel du livre de Jérémie. Après l'échec de l'alliance au Sinaï et la tentative avortée de Josias pour la restaurer, le dessein de Dieu apparaît sous un jour nouveau. Face au péché qui brise l'alliance, Dieu décide alors de s'engager encore plus. C'est l'unique passage dans l'Ancien Testament où il est question de la nouvelle alliance. De la même manière que Dieu avait écrit la loi sur les tables de pierre, de la même manière, Dieu écrira la loi dans les cœurs. Il s'agit d'un don, et c'est pourquoi sous l'action de Dieu, sous l'action de l'Esprit-Saint, l'homme sera rendu capable de connaître la loi de l'intérieur, d'aimer cette loi, et de rester fidèle à Dieu. Finalement, ce passage répond de manière positive à la vision pessimiste des oracles de Jérémie sur le cœur mauvais de l'homme. Jésus, par sa vie, sa passion et sa résurrection, scellera définitivement l'alliance nouvelle et éternelle et nous invite désormais à vivre selon la loi d'amour. Ainsi s'achève notre découverte du livre de Jérémie. Bien évidemment, je vous invite à lire le livre puisqu'il peut nous éclairer quant à notre cheminement spirituel. Vous avez désormais quelques clés de lecture qui, je l'espère, devraient vous aider. Retenons ce que Jérémie nous enseigne. Malgré les épreuves que nous traversons, Jésus nous apporte chaque jour un message d'espérance, parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Comme vous le savez, le carême approche à grands pas. C'est pourquoi je vous invite, pour ce temps de carême, à suivre le parcours vers demain proposé par la paroisse en vous rendant sur le site internet de la paroisse. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le Christ. À bientôt.